La deuxième chose qui donne le bonheur, je dis les trois P. Le deuxième P, c'est la paix. Pour avoir le bonheur, il faut la paix. Alléluia. Ça veut dire, même si vous avez le même objectif, mais que vous n'êtes pas en paix. Alors, pour parler de la paix, ça va parler de tout ce qui est communication dans le couple, tout ce qui est... On a d'abord la vision, le premier P du bonheur. Amen. Donc, le bonheur nous accompagne vers la vision. Alléluia. On a la paix, le deuxième P du bonheur. Dis avec moi la paix. La paix. Alléluia. Lamentations chapitre 3, verset 17. Dit ceci. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Quand il n'y a pas la paix, quand il y a une maison, vous êtes en palabre, il n'y a plus de bonheur. Nous n'avons pas besoin même de démonstration biblique. On a besoin d'un verset pour s'expliquer que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur. Amen. Amen. Vous voyez une équipe de football, tout le monde a envie de marquer. Mais si deux joueurs se battent et ne veulent pas se faire la passe, ils ne pourront même pas atteindre le but. Il faut qu'il y ait la paix. Amen. Amen. Tu m'as enlevé le bonheur, je ne connais plus. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Il faut qu'il y ait la paix. Que Dieu accorde la paix dans ton foyer, dans ton futur foyer, dans le nom de Jésus. Les attaques de l'ennemi, les malédictions, les œuvres de Satan, les obstacles vont essayer de créer les circonstances pour ôter la paix, le calme, la sérénité de votre couple, de votre maison ou de votre futur couple. Amen. Il y a des personnes que Satan programme pour ne pas être en paix. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'habiter avec une femme querelleuse. Donc, quel est l'obstacle à ton mariage? C'est ton côté querelleuse. Tu es trop irritable. Tu cries, tu t'énerves. C'est pour ça que tu n'as pas le bonheur. L'obstacle à ton couple, c'est la colère. Mais vous habitez à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Or, Satan sait que il suffit qu'il fasse de toi quelqu'un de susceptible pour que ton foyer ait un problème. Donc, bien avant ton mariage, tu peux être programmé à la susceptibilité, à l'angoisse facile et chronique, à une nervosité. Oui? Alors, quel est l'obstacle? Quand tu viens poser la question à Dieu, Seigneur, depuis là, j'aspire après le mariage. Je t'assure, ma soeur, tu veux que Dieu te marie? Travaille la colère et puis cherche le fruit de l'esprit. Sois une femme paisible. Dieu va t'emmener ton mari très rapidement. Mais tu n'es pas contrôlable. Quand tu es froissé, blessé, frustré, ton corps n'est plus contrôlable. Tu respires comme... Tu n'es pas mariable. Tu n'es pas mariable. Il n'y aura pas le bonheur dans ton foyer. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais ça, tu t'en as trouvé. On n'a pas trouvé le bonheur. Est-ce qu'on va vouloir se réfugier à l'angle du toit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce qui empêche que je sois marié? C'est Dieu qui va t'ouvrir les portes. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Amen. Je vais me marier, je vais me marier. Dieu est prêt à t'ouvrir les portes. Mais juste ton tempérament. Au départ, Dieu n'a pas amené, il n'a pas besoin d'envoyer ton conjoint pour vérifier que tu es colérique ou pas. Regarde au travail. Regarde avec ta maman, regarde tes petits frères, regarde comment tu réagis. Quand tu es en colère, tu fais 3 jours que tu parles à personne. Tu n'es pas mariable. Si tu rentres dans un foyer, le foyer aura des problèmes. Quel est l'obstacle à ton couple? C'est le tempérament. Il faut traiter avec ça. Il faut le traiter. On peut être là, non, il me provoque trop, il est toujours comme ça. Mais la colère là, elle est un problème déjà. Il n'y a pas la paix. Tu m'as enlevé la paix, tu m'as enlevé le bonheur. Ton couple n'est pas heureux. C'est vrai que ton mari a ses défauts, mais toi-même, tu es trop irritable. C'est un obstacle au bonheur conjugal. Dis Seigneur, aide-moi. Amen.